Donc, si jamais il y a des gens qui sont en train d'entrer dans la salle virtuelle, je souhaite la bienvenue, mais on va commencer là, dans les prochaines minutes. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés, qui se connectent d'avance. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas de... Installez-vous bien dans notre salle virtuelle. Puis, nous, on va débuter là à 13h30 comme prévu, juste pour être certain que tout le monde est arrivé. Donc voilà, je vais débuter tranquillement. Les gens qui se joindront à nous tranquillement dans la salle virtuelle, on va leur souhaiter la bienvenue également. Donc pour commencer, bienvenue à vous qui avez décidé de venir se joindre à nous aujourd'hui. Donc merci d'être présent à la séance d'information sur le Collège Mérici dans le cadre de nos journées de recrutement d'étudiants de nationalité française pour des études de niveau professionnel et technique. Je m'appelle Catherine Paradis, je suis conseillère en attraction et rétention des étudiants internationaux pour Québec International. Pour ceux-là qui ne connaîtraient peut-être pas encore Québec International, bien rapidement, je vous dirais que c'est une agence de développement économique de la ville de Québec et de ses environs. On a plusieurs mandats, dont l'accompagnement des établissements d'enseignement dans le recrutement à l'international. On organise des journées de recrutement comme celle-ci, de manière virtuelle également, pour vous permettre de mettre en relation les établissements d'enseignement et vous, d'ailleurs. Et puis, rapidement aussi, vous devez bien connaître Québec en tête, mais juste vous le rappeler que c'est notre portail d'information qui est destiné à orienter puis à informer les personnes ayant un projet d'établissement ici au Canada et ainsi que les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et ses environs pour les appuyer dans leur démarche d'intégration et d'installation ici dans notre belle région. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Marc-Claude Hamel du Collège Mérici qui va vous présenter son établissement d'enseignement. La séance d'aujourd'hui va vous permettre d'en apprendre davantage sur leur établissement scolaire et sur les programmes qui y sont offerts. Je vous informe que ce n'est pas possible de poser vos questions. Il n'y a pas de clavardage d'ouvert pendant la séance. Notez toutefois que la rencontre, elle sera enregistrée. Donc, il n'y aura pas de problème pour aller la réécouter par la suite sur notre chaîne YouTube de Québec en tête. Et puis, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les prendre en note. Peut-être qu'elles seront répondues plus tard dans la présentation. Puis sinon, ce sera une belle occasion de faire une demande d'entretien avec Marc-Claude et son équipe lors des entretiens là, avec les établissements d'enseignement. Donc, sans prendre plus de temps, Madame Hamel, je vous cède la parole. Merci Catherine, merci. Merci à vous de vous être connectée. Donc, je vois que le compteur a monté durant la présentation. Donc, bienvenue à Mathis, à Myriam, à Mansour, à Fabien et aux autres qui se joindront à nous. Je vais, avant de commencer, vous partager ma présentation et ensuite, je serai tout à fait concentrée pour vous parler de notre bel établissement. Donc, Catherine, si tu veux simplement me confirmer qu'on voit bien la présentation, ça Oui, fonctionne. on voit très bien. Bonne présentation. Merci. Alors, donc, comme je disais, bienvenue. Merci de vous être connecté. Donc, je commence par me présenter, Marie-Claude Hamel. Je suis conseillère au recrutement international pour le Collège Mérici dans la belle ville de Québec.
Donc, présentement sur le même fuseau horaire que vous. Donc, je suis en ce moment à Paris également. Et donc, on en profite cette année avec notre collège pour faire plusieurs salons, aller à votre rencontre. Et cette occasion, cette fois virtuelle, nous permet également d'atteindre les mêmes objectifs. Donc, on est bien content que vous soyez là. Alors, aujourd'hui, la mission nous permettait de vous présenter un peu plus amplement notre établissement, donc ce qui distingue Mérissip, donc son milieu de vie, tout ça, c'est ce qu'on va vous présenter à travers quelques explications et photos. On vous parle également un petit peu plus amplement de nos programmes d'études, de leurs particularités, voire même dans certains cas, leurs débouchés. Puis, je vous entretiendrai brièvement également sur la façon de déposer votre dossier d'admission. Ceci étant dit, hein, aujourd'hui, c'est pour vous donner un premier niveau d'information. Et donc, comme Catherine le mentionnait, on vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à prendre rendez-vous avec nous afin d'en savoir davantage sur votre projet d'études. Et cet échange-là nous permettra de vous donner plus d'informations précises. Alors, voilà. Donc, le Collège Mérissip, on vous amène aujourd'hui à découvrir donc nos avantages. Parmi eux, évidemment, une équipe super disponible, et ça, vous allez le découvrir à travers la présentation, mais c'est ce qui fait la force de notre établissement, une équipe de professeurs dévoués, engagés, une équipe de professionnels aussi qui sont là pour vous accompagner en amont dans les démarches d'inscription, dans les démarches d'admission et une fois sur place, évidemment. Vous le verrez, on n'a pas peur de dire qu'on est le plus beau campus dans la ville de Québec. On est assez chanceux, là. On est situé pas mal au cœur de la ville, donc un bel avantage, vous offrir une expérience d'études à Québec dans le cœur de la ville. C'est pas mal la meilleure façon là, de profiter de tous ces attraits. Puis, ben voilà, vous le découvrirez lorsque vous viendrez dans notre établissement, mais Mérissip, c'est un milieu de vie chaleureux, inclusif. On est un petit établissement collégial. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le collège, le cégep, c'est le premier niveau d'études supérieures au Québec, donc à ne pas confondre avec le collège en France. Donc, on est un établissement à taille humaine où chaque étudiant est connu et reconnu de la part de toute l'équipe. Donc, peut-être vous situer, je pense que vous avez des présentations beaucoup sur la région de Québec. Peut-être que vous avez assisté aussi à des présentations qui étaient à l'extérieur de celle-ci. Donc, nous, on est vraiment dans, je le disais, le cœur de la ville. Donc, Québec, la capitale nationale, c'est la porte d'entrée sur l'Amérique du Nord. C'est une ville francophone, mais c'est une ville à taille humaine. Donc, on est situé à peu près à 2h30 de Montréal. Voilà, une super destination. En fait, étudier à Québec, qu'est-ce que c'est? C'est étudier dans une ville à taille humaine. On parle d'à peu près 500 000 habitants dans la ville de Québec. Toutefois, quand on est en France ou en Europe, on a tendance à voir un 500 000 habitants assez dense. À Québec, il y a de l'espace. Hein? On est en Amérique du Nord, alors il y a de la place. Donc, même au cœur de la ville, vous avez des beaux endroits verts, comme vous le voyez dans la présentation, pour respirer. Donc, Québec, c'est une ville qui est dynamique, qui est très sécuritaire également. Donc, une belle destination familiale ou encore une belle destination pour un premier projet d'études à l'étranger. Un coût de la vie également qui est avantageux. Des fois, on a tendance à penser, bon, c'est la capitale nationale, donc on fait la comparaison avec Paris et le reste de la France, ça doit être donc très cher s'y loger ou y étudier. Pas du tout. Donc, Québec, c'est un coût de la vie qui est abordable. En plus, comme la plupart d'entre vous, vous gagnez des euros, ben, vous avez aussi un avantage par rapport à la conversion de la monnaie. Donc, c'est une ville qui est très urbaine, oui, hein, c'est-à-dire il y a plein de restaurants, d'endroits où sortir, des musées, tout ça, mais c'est une ville qui est en proximité avec la nature également. Au cœur de la ville, il y a de beaux parcs municipaux là, où vous pouvez aller vous promener, mais vous êtes aussi à proximité d'emplacements comme vous voyez en ce moment, là, les chutes Montmorency sont à 15 minutes du collège. Le parc national de la Jacques-Cartier à une trentaine de minutes de voiture. Donc, c'est vraiment un cadre de vie idéal si vous voulez vivre ce que le Canada et le Québec ont de meilleur à offrir, donc la nature, mais en même temps, vous voulez des services, vous voulez une certaine vie culturelle, bien, Québec, c'est la bonne destination pour ça.
On va y revenir aussi, mais Québec, c'est un marché de l'emploi qui est en ébullition dans plusieurs secteurs. Donc, vous voyez ici la photo carte postale de la ville de Québec, le fameux Château Frontenac, qui est un partenaire de notre établissement pour nos programmes en tourisme, en hôtellerie et en restauration. Le secteur du tourisme fait partie des secteurs en ébullition où on recherche beaucoup de main-d'œuvre et donc nos étudiants ont généralement la possibilité d'y travailler soit en parallèle des études, au sein même de leur programme, ou encore évidemment de rester sur Québec par la suite et d'y travailler. Je vous ai parlé un petit peu de la ville de Québec simplement là, pour vous donner les grandes lignes de ce milieu de vie parce que je pense que quand vous faites ce projet d'immigration ou d'expatriation, bien, il y a comme trois niveaux de décision. Vous choisissez d'abord bien, une destination, une ville qui vous convient. Ensuite, vous choisissez un environnement, un milieu de vie, un établissement qui vous correspond et un programme, évidemment, dans lequel vous voulez vous épanouir, dans lequel vous voyez une carrière pour la suite. On vous a présenté un petit peu Québec, puis Québec en tête a évidemment là, d'autres informations à vous partager sur sa plateforme Internet. Maintenant, si on passe au Collège Mérici, bien, vous le voyez sur la petite carte ici, on est, comme je le disais, au cœur de la ville de Québec. On est le petit point jaune à côté d'un grand parc urbain qu'on appelle les Plaines d'Abraham. Donc, on fait des fois une petite comparaison. Alors, les Plaines d'Abraham, c'est comme le Central Park de Québec. Donc, si on compare Québec à New York, le bois de Vincennes à Paris, disons-le comme ça. Donc, vraiment un environnement qui est vert, qui est assez calme à l'endroit où le collège est situé. Et je pense que vous avez une meilleure vision là, avec cette vue aérienne. Vous avez sur la flèche en jaune notre établissement et derrière nos résidences étudiantes. Donc, on voit que c'est assez vert au niveau du collège, mais que vous êtes très près du centre, du cœur de la ville et de toutes ses attractions. Donc, à distance de marche, de vélo ou d'autobus, évidemment. Donc, le Collège Mérici, c'est aussi un campus qui est très vert. Donc, oui, dans ses alentours, mais même sur le campus comme tel, vous avez un parc à l'avant, des stations d'entraînement. On fait vraiment la promotion aussi des saines habitudes de vie. Donc, on essaie le plus possible d'encourager nos étudiants à profiter de l'extérieur. Dans certaines classes, il y a même des cours qui auront lieu sur le campus extérieur du campus. Donc, vous pourrez en profiter un maximum. Je vous rassure, l'hiver, on ne fait pas de cours à l'extérieur. À moins que vous soyez en tourisme d'aventure, là, effectivement, ça pourrait être un petit peu différent. Le Collège Mérici, c'est un collège de tradition ursuline, donc qui a été fondé il y a 100 ans. Alors, c'est un collège qui est bien implanté, évidemment, dans sa communauté, qui a tissé des liens serrés avec plusieurs secteurs d'activité. Maintenant, on est un établissement laïque depuis de nombreuses années, mais on garde ces valeurs de nos fondatrices de respect, d'accompagnement à la personne, d'accompagnement même personnalisé de nos étudiants. Et on a gardé une taille d'établissement, on dit à taille humaine, hein, c'est-à-dire on a un peu moins de 1000 étudiants au collège. Donc, on a le temps de prendre soin de vous et de vous accompagner vraiment votre réussite. On est un établissement privé, donc il y a des frais de scolarité associés à l'éducation que vous recevrez chez nous. Donc, on parle d'un programme à l'ordre d'environ de 3 à 4 000 euros par année selon le programme choisi. On pourra en discuter lorsque on fera nos petites entrevues au mois de janvier. Donc, il y a un coût, oui, effectivement. Ceci étant dit, il y a quand même une portion des frais de scolarité qui est financée en amont par le gouvernement québécois. Donc, près de 60 % des frais de scolarité qui sont financés pour les étudiants de nationalité française. Donc, c'est vous dire les liens entre nos deux pays. Voilà. Alors, c'est une éducation, évidemment, de qualité avec de nombreux services là, qui valent la peine, évidemment. Donc, vous voyez notre extérieur de campus. Je vous montre maintenant l'intérieur, nos salles de classe. Donc, quand je vous ai dit qu'on était un établissement de près d'une centaine d'années, vous étiez peut-être dubitatif quant à l'intérieur de nos classes. Et donc là, si ça peut vous rassurer, on a vraiment, dans les 5-10 dernières années, rénové l'ensemble du collège. Et on offre un environnement qui est lumineux, qui est stimulant, qui est adapté aussi en fonction du programme que vous choisissez.
Que vous soyez en orthèse, prothèse, donc vous allez avoir des laboratoires, des salles de couture, une clinique école, etc. Si vous êtes en tourisme, restauration, il y a le laboratoire pédagogique, il y a la cuisine pédagogique, il y a un restaurant, voilà. Donc, on a selon les programmes des classes qui sont adaptées. Celles que je vous montre ici, ce sont des classes un petit peu plus générales, mais qui vous donnent une idée un petit peu là, de la luminosité qu'on offre. Et donc, c'est un environnement qui est stimulant pour l'apprentissage, je vous dirais. Un atout de notre établissement, bon, ça dépend toujours de quel est votre projet, si vous venez seul, si vous êtes plus jeune ou si vous êtes âgé ou venez en famille, mais bon, on l'offre à tous nos étudiants de vivre en résidence sur le campus. Il y a relativement peu d'établissements qui offrent cette possibilité dans la région de Québec, du moins pour notre niveau d'études. Et ça, évidemment, c'est très apprécié de la part de nos étudiants internationaux puisque vous arrivez à l'aéroport de Québec, qui est à peu près à 20 minutes du collège, vous montez dans le taxi et pouf, vous posez tout de suite vos valises dès que vous arrivez au collège. Les résidences, comme vous l'avez vu, sont derrière les salles de classe. Alors, on vous offre, nous, des appartements en colocation à 2 ou à 4. Donc, ce n'est pas une petite chambre sur un étage de 25. Vous avez de la place et tout le mobilier fourni, Wi-Fi, etc. On s'en sort pour à peu près 290 € par mois. Donc, quand on vous disait que le coût de la vie est abordable à Québec, c'en est une autre preuve. Et comme vous l'avez vu, on parle quand même d'un quartier très central de la ville de Québec. Donc, ça, c'est super pour nos étudiants internationaux. Si vous voulez même aller un petit peu plus loin dans la visite du collège, vous pouvez faire la visite virtuelle sur notre site Internet. Vous déroulez le menu à gauche et vous allez pouvoir faire la visite des résidences Marie-Guyard et évidemment vous promener à travers le collège et nos autres salles de classe. Donc voilà, alors Mérissi, c'est vraiment un milieu de vie qu'on qualifie d'exceptionnel. Donc, hein, on n'a pas peur de le dire, puis je pense que vous allez le constater quand vous allez arriver, mais c'est vraiment un campus qui est hyper bien situé. Donc, un établissement privé, c'est aussi pour votre éducation un gage de qualité. Vient avec ça, comme je le mentionnais, un accompagnement personnalisé, puis une équipe de professeurs qui est vraiment dévouée. Leur porte de bureau est toujours ouverte. Ils sont là vraiment pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. On a justement des petits groupes hein, au collège. Ça vaut peut-être la peine de le mentionner pour que vous ayez une idée un peu plus précise du genre d'ambiance dans laquelle vous pourrez vous retrouver. Nous, les groupes d'un programme à l'autre, c'est 20-25 étudiants. Donc, ça permet vraiment de créer une chimie entre les étudiants. Et évidemment, comme je le mentionnais, de créer une chimie avec les professeurs qui vont pouvoir vous suivre durant vos 2 ou 3 années d'études et connaître vos forces, vos défis, vous faire profiter de leur réseau également. Donc, nous, il y a vraiment cette collégialité qui est très, très présente entre nos professeurs et nos étudiants. Donc voilà, alors vous avez ici un exemple d'ailleurs d'un de nos récents diplômés, Denis, qui a fait une réorientation professionnelle, donc originaire de Marseille, il est venu se former en orthèse, prothèse orthopédique, donc il a trouvé, oui, un nouveau métier, puis une deuxième famille à Mérissi, c'est ce qu'on vous souhaite également aussi. Donc Joséphine, qui est également dans le programme d'orthèse et prothèse orthopédique qui parle ben, de l'approche des enseignants puis de la proximité qu'on a avec elle et qu'elle apprécie beaucoup. Donc, ce sont des petits témoignages qu'on voulait vous mentionner. Donc, c'est moi qui fais la présentation aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant. Puis si ultérieurement même vous avez envie que je vous mette en contact suite à notre entrevue de janvier avec d'actuels étudiants ou des diplômés. C'est toujours une possibilité. Nous, on a des ambassadeurs internationaux qui répondent à vos questions sur les démarches d'immigration, donc sans aller trop profondément, là, on ne va pas dans le conseil, mais qui peuvent vous parler de leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont vécu au collège, comment ils se sont trouvés des stages, comment ils sont intégrés en emploi par la suite. Donc, ça peut être un autre son de cloche qui est intéressant et qui peut venir vous rassurer aussi là, dans votre projet. Donc, voilà. Alors, on vous a parlé du milieu de vie, mais évidemment, je le mentionnais, le troisième niveau de décision, c'est la formation comme telle. À Mérissi, ce qu'on vous promet, c'est un avenir, c'est-à-dire toutes nos formations offrent d'excellentes perspectives d'emploi, un taux d'insertion de plus de 90 % des domaines qui sont
qui se réinventent, qui sont porteurs et dans lesquels on a de nombreux partenaires. Donc, on vous aide autant à trouver des stages ou de l'alternance que par la suite à vous placer sur le marché du travail. Donc, notre carte de programme à Mérissi, on a des programmes assez spécialisés dans des secteurs. Des fois, c'est un peu hétéroclite, mais on a des champs de compétences bien définis. Donc, dans le social, on offre une formation en éducation spécialisée. Dans le secteur de la santé, on a une formation en orthèse et prothèse orthopédique. En tourisme, hôtellerie, restauration, on offre des formations tournées plutôt sur le management hôtelier, le management d'un établissement de restauration et le tourisme de façon plus générale. Oui, on va toucher la gestion de projet également. Et finalement, une formation de pilote de ligne. Donc, c'est assez niché, là, mais on abordera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure pourquoi faire une formation en pilote au Canada. Donc, ces programmes techniques sont des programmes de 2 à 3 ans selon la formation. Et si on veut faire un comparatif par rapport au système français, on peut dire que c'est comparable à un BTS, un DUT, un Bac plus 2, un Bac plus 3 selon la formation. Donc, c'est le premier niveau d'études supérieures, le collège, comme je le disais précédemment. On a également des programmes courts, entre autres en pilotage. Donc, en pilotage, on a 3 cheminements. Alors, des fois, un programme un petit peu plus court peut mieux correspondre si vous êtes en réorientation professionnelle. Sinon, on a aussi des programmes courts qui peuvent être de belles expériences pour soit une année de pause dans les études ou encore on se dit j'envisage peut-être m'établir au Québec, mais j'en suis pas encore certain ou certaine que c'est un milieu qui est fait pour moi. Bien, on offre une formation de 9 mois en gestion d'événements de congrès et une formation de 10 mois en tourisme d'aventure et écotourisme. Donc voilà. Alors, les intitulés comme ça, bon, ça donne une certaine idée, mais après, ben, pour vous projeter davantage, je vous parle un petit peu plus dans le détail de chacun de ces programmes, puis par la bande des métiers qui y sont associés. Le programme de technique en éducation spécialisée, c'est vraiment un programme phare de Mérissi. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'établissement a été fondé par une communauté religieuse il y a plus de 100 ans. Donc, le soin, l'aide à la personne, c'était au cœur du projet éducatif de la fondation du collège. Et ça l'est resté. Donc, c'est un programme qu'on offre comme programme en éducation spécialisée depuis plus de 50 ans. On a des diplômés partout à travers la province et un beau réseau d'employeurs pour nos futurs étudiants. Donc, le métier d'éducateur spécialisé, c'est un métier du social, où vous allez aider les gens dans leur quotidien. Et l'éducation spécialisée, c'est parmi toutes les formations, tous les métiers du social, c'est celui souvent qui est le plus proche de la personne. Donc, c'est très dynamique, c'est très stimulant et valorisant, évidemment, puisque vous aidez les gens à pallier un problème d'adaptation. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous pouvez intervenir avec différents types de clientèle. Donc, peut-être qu'à ce stade-ci de votre vie, vous dites « Ah, j'ai envie de travailler, d'intervenir avec les enfants. » Mais peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir envie de changer, de travailler avec des personnes âgées ou encore avec des adolescents, avec des adultes qui ont des troubles de santé mentale, avec des adultes en situation d'itinérance ou qui ont des troubles de toxicomanie. L'éducation spécialisée, c'est la beauté. Ça vous amène à intervenir, à explorer une grande variété de clientèle ou de personnes avec lesquelles vous pourriez intervenir. C'est une formation dans laquelle vous êtes vous devenez votre outil de travail. Hein, ce n'est pas une machine que vous allez conduire, vous êtes dans l'humain. Donc, il faut développer ses capacités d'écoute, d'analyse, de réaction, de communication. Et dans nos cours, c'est vraiment là-dessus qu'on axe. Donc, oui, il y a de la théorie, mais nous, on va dans les milieux rencontrer les différents types de clientèle. Vous allez rencontrer des intervenants aussi qui vont vous permettre de vous projeter un peu plus précisément dans votre carrière, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire. Nos professeurs sont hyper dynamiques. On a d'ailleurs des locaux qui vous permettent de tester en classe différentes techniques d'intervention. On fait même venir à l'occasion des comédiens qui vous permettent d'être vraiment dans des situations réelles. En plus de ça, il y a presque le tiers de la formation qui est en stage. Donc, on y va de façon évolutive avec des stages d'observation,
d'expérimentation et ensuite d'intervention. Mais ça reste que vous terminez la formation avec vraiment un bagage important que vous pouvez même bonifier avec des stages rémunérés lors de l'été. Donc, c'est une formation de 3 ans normalement. Vous pouvez venir ajouter 2 stages l'été. Si vous dites, bon, moi, c'est une deuxième carrière, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais j'ai aussi envie d'arriver le plus rapidement possible sur le marché du travail, on a un cheminement intensif en 2 ans qui est également accessible aux étudiants français qui auraient réussi le bac. Donc, ça, on pourra s'en reparler plus en détail de façon individuelle. Donc, voilà pour notre formation du social en éducation spécialisée. Dans le secteur de la santé maintenant, une formation qui est trop peu connue en orthèse et prothèse orthopédique, donc qui mène au métier d'orthoprothésiste. Une formation qui est reconnue en France. Donc, il y a des ententes de reconnaissance mutuelle entre nos deux pays, ce qui vous permet de pouvoir retourner en France après quelques années de pratique au Québec, si c'est ce que vous souhaitez. Sinon, évidemment, on veut vous garder. C'est une formation dans le secteur de la santé donc, qui permet de créer, de fabriquer ou d'ajuster différents types d'appareillages orthopédiques. Donc, vous pouvez faire une prothèse ou être celui qui va l'ajuster en clinique. Donc, ça peut être n'importe quel type d'orthèse et de prothèse, à l'exception de celles qui concernent les yeux et les oreilles, donc l'ouïe. Donc, ça peut être autant des petits casques pour bébé, comme vous voyez, que des orthèses plantaires ou de poignet, de genoux, etc. Donc, Mérissa, on est bien fiers, en fait, de notre programme en orthèse et prothèses orthopédiques et de toutes ces installations. Il y a tout un pan du collège qui est dédié à ce programme avec des laboratoires spécialisés et, entre autres, une clinique école qui a ouvert il y a quelques années maintenant. Donc, qui vous permet, dès les premières années de formation, d'être en contact avec soit des cobayes ou de réels patients. Donc, encore une fois, une formation qui est très concrète et axée sur ce que vous allez retrouver sur le marché du travail. On a la chance également au collège d'avoir un centre d'expertise, un centre de recherche en équipement médical, TopMed, ce qui nous permet d'être à la fine pointe de la technologie dans les machines qu'on utilise. Donc, oui, on vous apprend à fabriquer des orthèses et des prothèses de la façon traditionnelle, bon, avec le plâtre, etc., les prises d'empreintes et tout ça. Mais on vous apprend aussi à utiliser le iPad, donc la tablette pour faire la prise d'empreintes. On a des machines d'imprimante 3D. Donc, vous êtes vraiment formés autant sur les méthodes classiques que sur les méthodes du futur. C'est un programme qui inclut 2 stages, encore une fois, rémunérés. Il y a de nombreuses bourses qui sont offertes également par les partenaires de l'industrie à nos étudiants méritants en cours de programme. Donc, c'est une formation de la santé pour les étudiants qui ont un côté très manuel. Donc, évidemment, il faut aimer toucher, il faut aimer fabriquer, il faut aimer aider aussi. C'est vraiment une formation dans laquelle vous allez faire une différence concrète dans la vie des gens. Et c'est un métier, comme je le disais, qui est un peu, qui est malheureusement méconnu, à part si on a eu soi-même à utiliser des orthèses et des prothèses. C'est des métiers moins connus de la santé, mais pourtant qui offrent de très belles perspectives professionnelles et une conciliation travail, vie personnelle ou vie de famille qui est souvent beaucoup plus facile que dans d'autres professions du secteur de la santé. Donc, vraiment un programme à découvrir dans lequel on accueille de plus en plus d'étudiants internationaux. Ce sont des formations qui sont assez contingentées en France. Il y a relativement peu d'écoles. Et nous, on est la seule école au Québec qui accepte les étudiants internationaux. Donc, un beau programme pour ceux qui sont intéressés par la santé. Maintenant, on a beaucoup d'étudiants internationaux qui s'intéressent au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration. Évidemment, vous intéressez au Québec. Souvent, vous avez un intérêt aussi pour le voyage, la découverte, tout ça. Donc, l'industrie du tourisme est peut-être une industrie intéressante pour vous. La pandémie a fait en sorte que c'est une industrie qui a connu un gros ralentissement, on ne se mentira pas, mais qui a profité de cette pause pour se réinventer. Et c'est ce qu'on en retient, c'est que l'industrie touristique, c'est une industrie, peu importe ce qui va arriver, elle se relève, elle trouve des façons d'être innovante
Et dans la ville de Québec, évidemment, c'est la capitale nationale, donc il y a énormément de tourisme et donc il y a énormément d'emplois aussi pour nos diplômés, voire même pour nos étudiants en cours de programme. Donc, programme qui est trilingue. Québec, c'est une ville francophone, alors ça peut être facilitant pour l'installation. Mais reste que dans ce secteur d'activité, de parler plusieurs langues, c'est une nécessité, ce sont des atouts importants. Donc, peu importe le niveau d'anglais que vous avez en ce moment, on vous prend là où vous êtes et on vous amène à un niveau avancé. Ce qu'on fait dans nos cours d'anglais, c'est qu'on axe beaucoup sur l'oral, on veut vous donner confiance et on veut vous donner les moyens d'être compétent professionnellement. Donc, au fil des 3 années d'études, on va vous donner des cours vraiment pour avoir tout le vocabulaire lié aux ventes, à l'accueil, voire à l'industrie du tourisme en général. C'est un programme qui offre de nombreux débouchés. Des fois, on pense tourisme, on pense automatiquement de travailler dans une agence de voyage. Ça peut être le cas pour certains de nos étudiants, mais ça peut être bien d'autres choses aussi, tourisme. Beaucoup de nos étudiants ont un intérêt pour la gestion de projet, la gestion d'événements, ont un côté un peu plus créatif puis aimeraient pouvoir développer des circuits touristiques. C'est ce que vous allez faire dans la formation et c'est ce que vous allez faire en partenariat avec de réelles entreprises du secteur. Donc, c'est un programme, encore une fois, qui est très terrain. Hein, quand on vous parle de l'architecture du Vieux-Québec, des techniques de guidage, bien, on vous amène dans le Vieux-Québec, on vous fait découvrir l'architecture et l'histoire en vous la faisant vivre directement et on vous met en relation avec les partenaires de l'industrie en vous impliquant dans les gros événements de la ville de Québec. Donc, que ce soit le carnaval d'hiver, que ce soit l'accueil des bateaux de croisière, on a des étudiants aussi, des fois, qui vont participer à des showcases, à des salons à Toronto pour représenter la ville de Québec. Donc, il y a plein d'occasions comme ça où vous êtes en lien avec l'industrie. Donc, ça en fait une formation qui est loin d'être théorique et qu'on a vraiment axé sur les nouvelles tendances en tourisme. Donc, le tourisme international, le tourisme éco-responsable, le tourisme autochtone également, donc qui est issu des Premières Nations. Donc, on vous amène à découvrir l'histoire, la géographie du Québec dans ce qu'elle a de peut-être moins connu, moins folklorique, mais ce sont des informations, des connaissances qui vont vous servir à vous démarquer sur le marché du travail par la suite. On vous offre également la possibilité de faire des stages, donc obligatoire dans le programme de faire au moins un stage, mais vous pouvez bonifier votre formation, encore une fois, avec 2 stages rémunérés. On vous amène évidemment à voyager, donc un programme en tourisme sans voyage, hein, ça ne fonctionne pas. Donc là, vous allez découvrir l'Amérique du Nord en premier, puis ensuite bien, peut-être l'Amérique au grand complet, puisque dans la première année, on va plutôt au Québec, on est dans les environs, on va également à Ottawa, qui est la capitale canadienne. Dans la deuxième année, vous vous rendez dans une destination aux États-Unis. Que vous allez choisir avec votre professeur et vos collègues de classe. Donc ça, c'est toute une approche dans l'enseignement qui peut être différente de ce que certains d'entre vous avaient connu, où on est beaucoup dans la collaboration, dans l'échange. Donc le professeur, oui, il a des connaissances à vous transmettre, puis oui, il a peut-être une petite idée sur une ville intéressante que vous aimeriez visiter, mais il veut avoir votre avis. Donc il y a vraiment cet échange-là qui est au cœur de la relation entre les profs et les élèves. Et la troisième année, donc les 2 premières années, vous allez vivre des expériences en français ou en anglais. La troisième année, ben là, vous allez vous ouvrir sur le monde hispanophone parce que vous allez avoir des cours d'espagnol dans la formation et on veut vous faire vivre une petite immersion dans une destination qui sera à choisir. Donc, est-ce que ce sera en Espagne, en Europe ou dans un des nombreux pays d'Amérique latine? Ce sera à vous de choisir. Donc, voilà. Alors, programme de tourisme. Dans un domaine connexe, on a un programme de technique en gestion hôtelière. Donc, pour ceux qui s'intéressent au management, ça peut être une super belle voie de carrière. C'est un programme qu'on a d'ailleurs revu dans les dernières années pour l'adapter vraiment au marché du travail et pour permettre à nos étudiants d'être directement, en fait, de commencer leur carrière dès la première session, dès les premiers mois de leur formation. Donc, c'est une formation sur 3 ans.
où dans la première année, on va vous donner toutes les bases sur ce qui concerne les opérations. On va vous familiariser avec le secteur de l'hôtellerie, comment ça fonctionne dans un hôtel, autant au niveau de la réception, du housekeeping, du restaurant, etc. Donc, sur le terrain. C'est ce qu'on pense être la meilleure façon pour vous amener à devenir un bon gestionnaire. Quand vous savez comment ça se passe à la base, et après, vous pouvez être plus efficace quand vous devenez superviseur et ultimement gestionnaire. Et c'est ce qu'on vous amène à faire dans la deuxième et la troisième année, où là, on va toucher des thématiques qui abordent la gestion financière, la comptabilité, la gestion des équipes, la vente, la gestion des ressources matérielles. Donc, plusieurs thématiques comme ça qui vous permettent d'être des managers chevronnés à la fin de la formation et d'avoir une vue assez 360 de comment on gère un hôtel. Par la suite, sur le marché du travail, vous pourriez travailler comme justement coordonnateur d'un petit hôtel et être un peu touche-à-tout avec toutes les connaissances que vous aurez acquises. Ou encore, vous vous spécialisez dans un grand groupe, dans un secteur que vous avez particulièrement aimé, que ce soit les ventes, les ressources humaines ou, ça peut être, ce sera à vous de voir. Mais c'est un secteur, en fait, d'activité où il y a de belles perspectives professionnelles. Et ce qu'on vous amène à faire, justement, c'est d'intégrer votre milieu de travail dès le premier semestre, puisqu'on offre de l'alternance, c'est-à-dire au Québec, on va appeler ça l'apprentissage en milieu de travail. Mais donc, on vous laisse le temps d'arriver quelques semaines et dès la mi-session en octobre, on vous jumelle avec des employeurs de ce secteur. Au Québec, dans notre établissement, nous, on prend ça très au sérieux, le jumelage avec les entreprises. Et comme on a plusieurs partenaires, on vous les présente et vous allez choisir mutuellement. Vous vous choisissez mutuellement, en fait, avec l'employeur. Généralement, en fait, ce sont les étudiants même qui ont un peu plus l'embarras du choix parce que les entreprises, ils ont hâte que vous arriviez. Il y en a plusieurs qui veulent vous offrir des places dans leur établissement. Et l'alternance, de notre côté, la façon dont on a structuré le programme, vous avez 3 jours en classe, du lundi au mercredi, et le reste du temps, vous êtes dégagé pour pouvoir travailler. Vous pouvez donc travailler 10 heures par semaine jusqu'à un maximum de 30 heures par semaine. Donc, ça fait que vous pouvez presque travailler à temps plein durant vos études. Et à la fin de votre formation, vous avez un diplôme et 3 ans d'expérience professionnelle. Donc, évidemment, après ça, de penser pouvoir occuper des postes de responsabilité dès la sortie des études, c'est tout à fait possible. Il faut penser aussi qu'au Québec, on a cette culture qui est plus axée sur l'expérience concrète que sur les diplômes. Alors qu'en France, souvent, il faut cumuler les diplômes pour ouvrir les portes du marché du travail. Nous, il faut faire ses preuves. Donc, c'est ce qu'on vous amène à faire dans la formation et c'est ce qu'on pense qui est la meilleure façon d'apprendre. Donc, dans la même lignée, dans ce même mindset, comme on dit, on offre un autre super beau programme en gestion d'un établissement de restauration. Donc, c'est un programme, si vous avez un intérêt pour la cuisine, l'alimentaire, donc ça peut être intéressant de mettre à profit votre intérêt pour ce secteur en devenant gestionnaire. Parce que c'est bien important de comprendre que nous, c'est un programme qui, même si la première année, encore une fois, on va voir les bases des opérations, donc vous allez avoir des cours de cuisine, de pâtisserie, de service en salle, etc. L'objectif, c'est de faire de vous des gestionnaires. Donc, on a des étudiants qui vont démarrer leur restaurant par la suite ou leur service de traiteur. Donc, ils vont reprendre une franchise. Certains seront gérants ou vont avoir des postes de responsabilité au sein d'un restaurant qui existe déjà. L'objectif, c'est dans toute cette démarche-là de vous former, en cuisine au départ, mais de faire de vous des managers. Et donc, on a retenu la même formule que pour le programme en gestion hôtelière, c'est-à-dire 3 jours par semaine au collège où vous êtes en classe et le reste du temps, vous êtes dégagé pour pouvoir travailler. Encore une fois, on a de super partenaires dans ce secteur d'activité. Donc, que vous soyez intéressé par la gastronomie ou par des restaurants peut-être un petit peu plus underground ou encore vous vous dites, mais moi, j'ai envie de travailler pour une grosse chaîne et éventuellement, justement, reprendre une franchise, ça peut être une belle formule.
Depuis la France, on pense peut-être pas à Québec comme une destination gastronomique ou en tout cas une destination où on met vraiment, on n'est pas reconnu peut-être mondialement pour ça. Ceci étant dit, si vous y êtes déjà venu en vacances ou si vous n'y êtes jamais venu, je vous encourage fortement à le faire, mais il y a vraiment toute une scène gastronomique, une scène, un secteur de la restauration en ébullition depuis une quinzaine d'années dans la ville de Québec. Donc, on a toujours eu, oui, quelques grandes tables, mais maintenant, il y a vraiment une scène où on se réapproprie notre terroir, on fait ressortir les saveurs boréales, les chefs ont des idées très innovantes, sont créatifs, et il y a encore de la place parce que c'est une ville en expansion, la ville de Québec. Donc, si vous avez une bonne idée, bien, peut-être que la ville de Québec, ça peut être l'endroit pour la mettre en pratique. Et c'est un domaine, des fois, où on a des étudiants ou des candidats qui se disent est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une formation pour pouvoir réussir dans ce secteur d'activité? Et évidemment, ben moi, je vais vous dire, oui, nos professeurs pourraient en témoigner, même qu'ils ont, justement, ils ont des collègues dans l'industrie qui se disent, si j'avais fait cette formation-là, je me serais évité 2-3 ans d'erreur, puis j'aurais finalement atteint un niveau de performance pas mal plus rapidement que comme là, j'y étais à tâtons, j'ai fait ça sur j'y étais au feeling un petit peu. La formation, ce qu'elle va vous permettre, c'est ça, c'est de ne pas faire les erreurs de quelqu'un qui apprend sur le tas et d'être rapidement efficace et efficient là, dans votre milieu de travail. Donc voilà, alors gestion d'un établissement de restauration, très beau programme qui peut d'ailleurs, peut-être juste en terminant, qui peut être fait en 2 ans. Donc, encore une fois, une belle formation qui amène rapidement vers des perspectives professionnelles. Dans un secteur un peu plus niché, pilotage d'aéronefs, donc ça ne parle pas à tout le monde et c'est normal, mais si vous avez rêvé enfant de devenir pilote d'avion, il faut penser que c'est peut-être plus accessible que vous le pensez au Canada, au Québec particulièrement, dans notre établissement. Pourquoi les gens viennent se former au Canada? Je vous dirais, nous, on a presque la moitié maintenant de nos étudiants, de nos groupes qui viennent de l'international et plus particulièrement de la France, parce que le Canada a une excellente réputation. Donc, les pilotes qui sont formés au Canada sont formés sur 4 saisons et sont formés avec une approche très terrain, plus technique, où on vous met rapidement les deux mains sur le volant. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas 1 an, 2 ans de théorie avant que vous embarquiez dans un cockpit. C'est après 1 mois et demi que vous êtes déjà aux commandes de l'avion. Évidemment, pas en solo la première fois. On vous accompagne progressivement là-dedans. Le Canada, l'Amérique du Nord, c'est aussi des perspectives professionnelles qui sont différentes de l'Europe. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas que du tourisme, il n'y a pas que du transport pour le tourisme ou pour les affaires. Donc, nous, il y a beaucoup plus de possibilités puisque le Canada est un vaste pays et plein de régions ne sont accessibles qu'en avion. Donc, il y a la possibilité de faire du pilotage de brousse, de faire de la patrouille de feu, de la patrouille de forêt. Évidemment, la ligne est une possibilité aussi, mais il y en a de nombreuses. C'est une formation qui est plus accessible souvent qu'en France, autant au niveau scolaire qu'au niveau financier. Donc, nous, avoir fait un bac peut être suffisant pour intégrer la formation. Donc, certains cheminements vont demander d'avoir fait des mathématiques ou de la physique, mais d'autres n'exigent même pas d'avoir fait ces options pour pouvoir être admissibles. Et financièrement, ben, en France, pour ceux qui connaissent le secteur, on parle de formation qui coûte environ 100 000 euros. Et au Québec, la nôtre coûte à peu près 55. Donc, c'est vraiment moitié moins cher et ça vous offre de très belles perspectives professionnelles pour la suite au Canada, mais dans plusieurs autres pays du monde aussi. Les licences canadiennes peuvent être automatiquement reconnues. Donc voilà, alors quelque chose à méditer pour ceux qui avaient un intérêt pour l'aviation. Maintenant, pour ceux qui ont peut-être une envie d'une formation plus spécialisée ou de plus courte durée, il y a la formation de gestion d'événements de congrès. Donc, Québec, c'est une ville où il y a beaucoup de tourisme corporatif, donc
plusieurs événements en ce sens, mais c'est une ville aussi qui bouge été comme hiver. Donc, festival d'été, vous le voyez sur l'image ici, là, ça grouille partout en ville et il y a donc de nombreux événements comme ça à organiser tout au fil de l'année. Donc, nos professeurs dans ce programme sont tous des gens qui travaillent encore dans l'industrie et qui vous font rencontrer les gens de l'industrie. Vous allez créer un événement avec votre promotion, avec votre groupe, en collaboration avec les besoins, encore une fois, de l'industrie. Vous allez faire un stage de 3-4 semaines à la fin de votre formation. Donc, ça peut être une belle façon d'explorer Québec pendant un petit peu moins d'une année. Si jamais vous vous y plaisez, bien, vous pouvez continuer l'aventure avec un permis de travail qui sera de la durée équivalente à la durée de vos études. Donc, un programme pour ceux qui aiment, qui veulent un emploi dynamique, où ça bouge, où on n'est jamais dans la routine. Et pour finir, dernier programme, le dernier mais non le moindre, une formation, encore une fois, très nichée en tourisme d'aventure et écotourisme. Donc, vous avez un bel aperçu du genre d'étudiants qu'on accueille dans ce programme. Donc, ça, c'est notre cohorte, notre promotion 2021 au sommet d'une belle montagne dans la région de Charlevoix, très proche de Québec. Donc, qui vient faire une formation en tourisme d'aventure? Ce sont des gens qui adorent le plein air et qui ont cette fibre d'aventure, qui ont envie de partager cette passion avec les autres. Donc, on amène les étudiants à être sur le terrain pendant plus de 120 jours. Donc, vous allez faire des expéditions de canot, de kayak, de randonnée, été, automne et hiver, et donc ça implique du camping d'été et d'hiver également. Donc, il ne faut pas être rebuté par la neige. Après, moi, je vous dis, c'est une saison magnifique pour faire du plein air, là. Mais donc, pour être dans la formation, il faut avoir définitivement cet esprit d'aventure, de découverte. Il faut aimer sortir de sa zone de confort. Vous aurez des cours de survie également. Donc, bref, plein de formations et de certifications qui vont vous amener à devenir un guide d'aventure chevronné. À la sortie, on finit en fait avec un stage de fin d'études, ce qui peut se transférer en emploi pour plusieurs de nos étudiants par la suite. Et le secteur du tourisme de plein air, du tourisme d'aventure, a vraiment connu un essor dans les dernières années, puis même particulièrement pendant la pandémie. Hein, on dirait que les gens sont restés beaucoup à la maison, encabanés, comme on dit au Canada. Et lorsque l'été est arrivé dans les dernières années, il y a vraiment eu un engouement sans précédent là, pour l'extérieur, le plein air, tout ça. Et évidemment, vous pensez bien, le Canada, c'est pas mal un endroit rêvé pour pouvoir pratiquer ce beau métier. Alors, si vous voulez en savoir plus, comme je dis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous lors des séances d'entrevue qui auront lieu en janvier. Ça va me faire plaisir d'aller plus en détail avec vous dans chacun de vos projets puis chacun de nos programmes. Donc, pour conclure, je vous ai parlé du milieu de vie, de nos formations, mais tout ce qui enrobe ça, bien, c'est l'équipe, comme je le disais, de professionnels qui sont très dévoués, très compétents et très à l'écoute de nos étudiants. Donc, on a des intervenantes, conseillères d'orientation, des gens qui sont là pour accompagner les étudiants internationaux dans les premières semaines, mais aussi tout au long de votre formation. Donc, on a des beaux services de soutien à la réussite pour vous aider dans votre arrivée. On prône également vraiment venir ici cet équilibre entre le travail, les études et profiter de la vie. Donc, la santé mentale, la santé physique, c'est au cœur de nos préoccupations et on offre à nos étudiants la salle de gym gratuite, le gymnase dans lequel vous pouvez pratiquer plusieurs activités, des cours de crossfit, de yoga, de pilates, un club de course, bref, plein d'activités qui peuvent vous permettre là, de rester quand même actif ou de le devenir si vous ne l'êtes pas. Et accessible vraiment à tous les types de niveaux. Donc, que vous soyez débutant ou un sportif aguerri, il y a des activités qui vont vous correspondre.
Puis notre équipe de la vie étudiante est toujours très à l'écoute de ce que nos étudiants ont envie d'une année à l'autre. Donc, on va vous proposer des activités des fois ponctuelles ou en lien avec des idées que vous avez envie de concrétiser. Donc, je donne un exemple. Il y a 2 semaines, on a des étudiantes internationales qui ont approché l'équipe de la vie étudiante pour organiser une activité de lancer de la hache. Alors, oui, lancer de la hache. Elles trouvaient que ça faisait très typique, hein, canadien-québécois. Donc, l'équipe de la vie étudiante s'est lancée là-dedans avec elles et elles sont allées lancer de la hache avec leur ceinture fléchée et leur chemise à carreaux. Elles ont trouvé ça bien rigolo. Blague à part, on va vous faire... en fait, c'est pas une blague, c'est vrai, mais cette activité-là, c'est une parmi tant d'autres. On va essayer d'organiser des activités pour vous permettre de découvrir Québec, la culture québécoise et tout ça aussi, donc qui vont au-delà du lancer de la hache, je vous rassure. Il y a donc plein de comités d'activités auxquels vous allez pouvoir participer. Si vous avez une petite fibre entrepreneuriale, il y a également des beaux projets, des concours qui sont mis en place. Vous avez un petit côté diplomate, vous avez envie de poursuivre, en fait, de voyager encore plus aux États-Unis. Vous pouvez faire la simulation des Nations Unies à New York. Puis on va voir, mais l'année prochaine, si la COVID se résorbe, on pourra peut-être réinstaller nos voyages de coopération internationale. Donc, bref, de belles opportunités là, pour vous permettre d'en profiter. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée, je pense, de notre établissement. Nous, dans la démarche d'admission, c'est super important, comme je le disais, de vous connaître, de prendre le temps de discuter de votre projet. Donc, la toute première chose qu'on fait avec les étudiants, qu'ils soient internationaux ou québécois, c'est de faire une petite rencontre de pré-analyse de votre candidature. Ça se fait dans la convivialité, c'est chaleureux, tout ça, mais c'est vraiment pour mieux vous connaître et bien comprendre votre projet. Comme ça, après, on peut vous accompagner de façon personnalisée dans toutes les étapes du processus. Donc, c'est la première étape, la rencontre. Puis ensuite, vous pouvez déposer directement sur notre site Internet. Comme on est un établissement privé, l'admission se fait directement dans notre établissement et le traitement est assez rapide. Donc, ça vous permet justement par la suite d'entamer rapidement les démarches d'immigration, donc l'obtention du CAQ et du fameux permis d'études. Pour les programmes qui vous intéressent, s'il y a des conditions particulières d'admission, des préalables, vous les avez ici, là, mais sinon, on pourra en rediscuter par rapport aux diplômes que vous avez et aux options que vous avez faites dans le passé. Donc, voilà. Alors, ici, vous avez l'équipe des conseillers là, qui sont disponibles pour vous accompagner, évidemment, moi-même, mais mon collègue Yannick Morissette et ma collègue Catherine Thibault. Vous avez mes coordonnées WhatsApp. Donc, nous, c'est vraiment de cette façon qu'on communique beaucoup avec les étudiants et par courriel, évidemment. Là, donc, on va s'en reparler lors de la rencontre en janvier. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Avant de terminer ce petit webinaire, je vais passer la parole à Catherine qui va pouvoir vous donner quelques petites informations sur la poursuite de cette belle mission. Alors, merci de vous être connectée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir. Merci, Marc-Claude. Merci pour ta belle présentation. Donc, à mon tour, maintenant, je vais juste repartager mon écran pour vous donner là, toutes les dates bien importantes là, pour la suite. Donc, juste un petit signe de tête, Marc-Claude, qu'on voit bien ma diapo. Génial. Donc, super. Donc, juste, c'est ça, rapidement, les dates importantes à venir pour ces journées de recrutement. Vous avez jusqu'au 13 décembre pour procéder à votre inscription via le site de Québec en tête, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est bien important de sélectionner le programme et de demander un entretien pour chacun des établissements là, d'enseignement que vous souhaitez là, rencontrer. Vous pouvez sélectionner 2 programmes maximum par établissement. Puis, je vous rappelle de bien compléter votre profil quand vous faites votre demande d'entretien pour que tout soit bien rempli pour les prochaines étapes. Ensuite, une fois que vous avez fait vos demandes à Marc-Claude, par exemple, eh bien, l'établissement va évaluer les candidatures qu'ils ont reçues, puis envoyer une convocation à un entretien aux personnes qui auront été retenues. Vous allez avoir ensuite jusqu'au 20 janvier pour pouvoir confirmer votre présence. Si vous acceptez la convocation, c'est important de confirmer votre présence. Je vous rappelle que le but de l'entretien, c'est de pouvoir échanger avec Marc-Claude et ses collègues et non pas, c'est pas un entretien d'admission, mais c'est vraiment pour parler de votre projet d'études, poser des questions aux représentants de l'établissement d'enseignement.
Et par la suite, le 20, vous allez pouvoir assister ou devoir, en fait, on vous le conseille fortement, assister à une webconférence de préparation aux entretiens qui va se tenir le 26 janvier à 14h, qui est heure du Québec, où on va vous présenter des trucs et astuces pour bien pour vous expliquer comment ça va se passer, un entretien au Québec avec un représentant d'un établissement scolaire. Finalement, on arrive, les dates importantes à retenir, c'est que les entretiens vont se dérouler entre le 31 janvier et le 11 février 2022. Et puis, pour les personnes qui se seront fait dire qu'ils vous sont retenus pour pouvoir faire une demande d'admission, vous allez avoir droit à une séance d'information avec notre partenaire Bébé Migration, qui est vraiment une webconférence pour vous préparer aux démarches pour pouvoir revenir ici au Québec. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce n'est pas obligatoire d'être dans une démarche d'immigration vers le Canada pour pouvoir prendre part à des activités comme celle-ci. Ce n'est pas nécessaire non plus d'avoir quelqu'un qui vous représente en termes par un agent d'immigration, par exemple, pour faire vos démarches. Puis, bien entendu, la participation à ces journées de recrutement de Québec international sont complètement gratuites pour vous. Donc, soyez sans crainte. Et puis, je terminerai là, en remerciant à nouveau Marie-Claude Hamel et le Collège Mérici pour leur participation et pour la présence aujourd'hui, pour la belle présentation. Vous voyez sur l'écran, sur votre écran, en fait, que vous devez vous rendre sur le site de québecentête.com pour pouvoir faire vos demandes d'entretien. Et puis, je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci, merci Marie-Claude. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toute l'équipe de Québec International et à tout le monde qui s'est connecté. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.